Comme une magicienne, Tsui Yinyan donne vie et forme à des bijoux de porcelaine d'une élégance et d'une légèreté fascinantes. Au début, le but, c'était vraiment, j'ai envie de faire des cercles, comme les quatre de brodrage, juste de copier un cercle, et faire un cercle parfait. Un jour, j'ai une idée sur ce cercle. L'intérieur, il y a des morceaux qui constituent un autre cercle aussi. Mais le but de ces morceaux, je vais les coller ensemble. Et c'était à partir de cette pièce, je commençais à une esprit assez ouvert, un peu assez plus relax. D'un coup, j'ai compris une chose dans ma tête, c'est qu'il faut lui donner la liberté, on ne peut pas le forcer. Quand quelque chose qui a été construit, voilà, cassé, il n'y a pas de qualité. Ça, non. Il a toujours ses qualités. Et c'est à nous d'aller chercher. Ça, c'est une boucle. D'accord. J'ai envie de le proposer en boucle en même temps, ça peut être qu'une broche. J'ai une idée de cette pièce, c'est à partir de trois de mes rêves. Ce que je voulais raconter sur cette pièce, sur cette terre qui est ronde, les hommes sont différents, chacun a leur caractère. On est tous même différents, mais on est tous sur le même chemin. Et ce chemin, c'est aller rejoindre ce cercle. Donc, je mets tous les morceaux, toutes les chutes de porcelaine, le cuir est émaillé en même temps. Et un lien avec l'autre, ça veut dire que ce cercle, c'est de construire par tous ces morceaux. C'est un grand, grand collier.